14h, gare du Nord. C'est une atmosphère paisible qui règne en cet après-midi du mardi 19 février 2019, mais dans quelques minutes, la paix cédera la place à une situation tendue. Il est 14h25 et dans quelques minutes seulement, une horde de collégiens se déferlera sur la place de l'immigration. Pendant ce temps, nous allons recueillir quelques témoignages des personnes qui sont au quotidien présentes sur place. Ils veulent garder l'anonymat, car pour eux, les jeunes n'inspirent pas confiance.14h35, les premiers policiers débarquent sur place. C'est une opération cracking qui débute tambour battant, menée conjointement par les officiers de Trou Fanfaron, de la DSU Métro 9 et la Brigade des mineurs. Outre les collégiens, les policiers ciblent tout particulièrement les Météatula. Ce sont des jeunes qui habitent des faubourgs de la capitale et qui ne sont pas scolarisés. Ces derniers sont souvent ceux qui incitent à des bagarres, selon les témoins. Plusieurs jeunes seront verbalisés en ce premier jour de l'opération et un jeune a été embarqué par la police pour des raisons inexpliquées. Arrêtez! Vous entendez? C'est tout! Au fur et à mesure que les bus arrivent, les policiers obligent les collégiens à y prendre place. La gare se vide sans un écroche. Un reportage de Marwan Daoud et Shihab Nasrullah.